Monseigneur. Qu'y a-t-il? Le nouvel état de Nevermind refuse de se plier à nos ordres. Ah, Tyrus! Je me doutais qu'il avait soif de pouvoir. Un seul état ne lui suffisait pas. On va lui apprendre à rester à sa place. Smash! Smash! Bah où est-ce qu'il est encore passé, lui? Tapez! Oh, tapez! Tapez! Oh! Tapez! 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 Oh, tapez! Oh, tapez! 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 Oh! Wouhou! Tapez! Tapez content! Tapez! 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 Tapez content. Tapez. Oui, tapez. Tapez, 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 tapez. Tapez, tapez, tapez. Tapez, tapez, tapez. Tapez, tapez, tapez. Hop. Tapez. Oh, tapez. Oh. Me tapez. Non. Non. Tapez. Non. Non. Tu as des ficelles dans ton coffre en haut. Ah bon? Là, je l'ai pas vu. Apparaît. Alors, attends. Ah, une ficelle. Ouais, c'est un peu léger. Putain, mais il y a vraiment des ici. Putain, mec, les PNJ, ils peuvent pas crever ici, quoi, genre. Il y a zéro chance qu'ils crèvent. Genre, what the fuck? Putain, c'est un spawn à golem ici, laisse tomber, quoi. Vos messages, désolé, je suis désolé. Vous êtes nombreux ce soir. Vous avez explosé un record encore de viewers, là, à chaque fois. Merci beaucoup d'être présent, en tout cas. Oh, il y a de la bouffe, là, mais c'est parfait. Bah, c'est vrai que je suis à la moitié focus sur le truc, et en même temps, Abyssal Craft, Cobblestone Upgrade Kit. Mais je sais pas comment ça marche, ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est, moi. Je suis perdu. Prends les cobwebs. Il y a des cobwebs? Oh ouais, il y en a plein. Oui, de la ficelle, comme ça on a notre slingshot, j'avoue. Attends. Voilà. Est-ce que je peux les péter avec... Oh oui, ça marche. Oh, c'est trop bien. Je viens de raser le truc. Ok, nous pouvons faire un slingshot. Ça, c'est bien. Ça dépend des endroits. Voilà, on a fait les réserves de bois. C'est parfait, je vais tout mettre là-dedans. Hop. Oui, je peux m'éjecter. Ah pardon, je peux m'éjecter. Et j'aime beaucoup ça. Bon, ouais. Ah non. Oui. J'adore. Darky Passion Balance. Alors, ça c'est bon. Tu peux mettre ton lit dans les... Oh ouais, le lit. Oh, ce serait l'idéal. Ah bah on a de la laine en plus. Eh ben allez. Allez, on y va. On se lance. C'est l'URSSAF. Donnez la thune, c'est l'URSSAF. Bonjour, vous n'avez pas payé votre emplacement de marché, monsieur? Ah oui, ah bah, c'est dommage, hein. Bah, va falloir le laisser à ceux qui peuvent payer, hein. Merci, bonne journée. Ah bah non, bah on démonte tout, hein. On n'a pas le temps. Hein. Et monsieur, l'argent, c'est l'argent, hein. Alors, un petit lit orange. Allez, orange. On se fait le luxe d'avoir un petit lit en couleur. Est-ce que c'est possible, ça? Oui, c'est possible, ça. Ça tient, c'est incroyable. Ah oui, le kit, quoi. Je dors sur quoi? Sur du 3x3. Ouais, je mets un peu de temps là à faire mon truc, mais on va dans un donjon. C'est juste le temps que... Voilà. Bon, je pense qu'on a suffisamment, en fait. Est-ce que je peux... Alors, tiens, question. Est-ce que je peux récupérer ça?
Est-ce que quand je le relance, le truc se réactive tout de suite? Oh! Nice! Ok. Eh ben c'est parfait. Du coup, on y va. Je vais déposer tout ça. Alors. Ah, c'est moi, ça? Ah, putain, c'est moche. Ah oui, c'est... Ah, c'est moche. Allez, c'est parti. Donc, ouais, j'ai mis des Dynamic Lights. On va quand même torcher un petit peu. Hein. Pas déconner. Parce que c'est, ce genre de donjon, c'est bien de les faire au début, parce qu'après, ils servent plus à rien. On le sait. Alors. Bonjour. Je vois des yeux rouges au loin. Il y a une porte. What the fuck? Oh, c'est le starter pack ou quoi? Incroyable. Ah ouais, oh, petite bibliothèque. Oh! Oh! Mais il est joli, monsieur! Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, c'est le bouclier de Picasso, hein. Il y a un design. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Luma, Glowstone Extract, de l'extrait de Glowstone. Ok. Statistiques, on s'en fout. Ok. Bon. Des bouquins, c'est bien les bouquins. Laudanum, médical teinture. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ça se boit? Oh, dame. Ah, ça donne régène, mais ok. Ah, ok, c'est des petites popos customisées. C'est quoi de l'extrait de Glowstone? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Oh, je brille. Super. Je m'en doutais un peu, mais bon. Des citrouilles. Une pelle en fer. De la ficelle. C'est bien. Je peux encore redescendre tout de suite, là, si je veux. C'est quoi, ça? Il y a des... What? Oh, il y a une enclume! What the f... Mais c'est génial. What? Unbreaking 3 Mending. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ah ouais, c'est des trucs où c'est qu'il y a les aliens qui tombent. Un diamant! Yes! Efficiency 1. Yes! Ok. Ouais, bon, le reste... Oh, j'ai une enclume. Bon, on va pas s'emmerder avec ça, hein. C'est bien, ça. Il y a de la lave, ici. C'est un générateur à cobblestone. J'hésite limite à prendre les entonnoirs, mais... Safeguard, je sais pas ce que c'est. Defy Lands, Safeguard, d'accord. Qu'est-ce que c'est l'enchantement? Parce que comme c'est Defy Lands... Ah oui, j'en ai pas parlé de ce mode-là aussi. Shadow Step. C'est quoi Shadow Step? Ah, c'est pour la discrétion, je crois que c'est un enchant de discrétion. Bon, de la bonne mille, je peux en prendre aussi. Ouais, bon, Shadow Step, non. On va pas abuser non plus. Vous êtes bien habillés, vous, hein? Putain, c'est le carnaval, ici. What the fuck? Ils ont quoi dans les mains, là? Ah, mais c'est des trucs de flun, ça. Bon, remarque, je dis je vais te blinder. Non. Par contre, c'est très... Oh, what? Mais putain, mais ça a changé, ça. Oh, waouh! Mais what? B! Regarde, Caillou! What the fuck? Oh, la salle! Tech Gun, il était venu dans... Oh! Ok. Il y avait... Comment dire, oui, Tech Gun, ça a été présent dans une saison, c'était la saison dernière ou l'avant-dernière. Mais je change toujours les modes, hein, évidemment, hein. À chaque fois on évolue, sauf le Flans mode, qui est lui de nouveau présent, parce que lui, il était... Hot Potato. Fire Respect 3, Sharpness 2, what the fuck, cette patate. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce glitch-là? On est où? C'est quoi cet endroit? C'est bien. On est encombré, là. On est encombré, mais il y a des bonnes choses à prendre. Et tout, évidemment, ce gros bloc d'émeraude, faut pas déconner. Putain. Oh, le magot. C'est quoi ce modpack? Je pensais pas qu'il y avait autant de trucs moi dans les donjons, what the fuck. Roguelike Dungeon, c'était aussi sympa. Je me rappelle qu'on récupérait des trucs nuls. Oh, on est en train de se faire là, mais laisse tomber quoi. Bon, c'est pas grave, hein, ça permettra d'aller plus vite pour la suite des événements, parce qu'en vrai, bon, l'aventure venir, on la connaît, donc c'est pas très grave si on avance vite. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Local Brewery. Qu'est-ce que c'est que ce... Putain, alors, même le craft, il est pas au courant quoi. Personne n'est au courant de ce que c'est. De la lumière de lune. La brillance de lune. Bon, on verra. Hein. Attends, j'ai fait que cet étage, hein. Y a plein d'autres étages. Attends, mais il y a un autre truc là. Oh, c'est Academy Craft, je prends. Oh, oui, c'est plein d'Academy Craft. Oui. Done.
Done, on va pouvoir faire nos sorts. C'est très bien. Oula, attends, du monde là. Oh oui, oui, c'est parfait ça. Oui. Oh, il y a une cave. Oula, je vais trop loin. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas ce que c'est, ça doit être du immersive. Ok. Bon, j'en passerai plus tard, attendez, on est bien là. Allez, bisous. Putain, trop rentable ce donjon, what the fuck. Oula, trop dangereux ce donjon, what the fuck. Allez, viens, je t'attends. J'entends un cri là, je suis en mode... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il y a du monde. Voilà où ma potion de strength. Oh, il y a du monde, poussez-vous. Putain, t'es bien équipé, toi, hein. Il est chaud pour l'hiver. Hop, c'est bon. T'es l'air pas comme ça, cousine. Hop là. Tiens, viens. Alors, quoi le malin, là, hein. Ah. Calmez-vous. Efficiency 1. Oui. Efficiency 1, oui. Ouais, slime, non. Sword of the Ending Blow. Vous donne le sort 4-5. Ah oui, c'est les trucs de Dynamic Skill Sword. Correction. Prevent damage for... Ok. Turn 5. Oh. Oh, j'ai trouvé une capsule. Yes. Oh, c'est trop bien. Double jump. Double jump? What? Il y a un sort de... Ah oui, c'est le sort que j'avais mis. Oui, c'est vrai. Le mec, il en peut plus. Du jade. Du thé. Ok. What the fuck? Mais c'est quoi ces coffres là qui se baladent comme ça? C'est quoi? C'est bleu de diamant. Diamant de sang, Curse of Vanishing, d'accord. Ah oui, ça c'est les trucs de dynamique. Rosite, oh de la rosite. Unginer's Blueprint. Oh, y a trop de trucs, au secours. Ça dégage. Ça, les livres, évidemment on en veut. Une capsule. Oui. Fortune 2 Wall Jump. N'importe quoi. Quand t'es sur la tête, plus 20 d'armure? Ouais, mais non, mais attends, sur ma tête, ça veut dire qu'en prend, on voit plus rien, quoi. Ouais, c'est le soldat dans son Itash. Hello. Pas sûr pour le online, hein. C'est très designé pour du solo. Essayez. J'attends vos retours quand je le mettrai à disposition. Il y a du lead là, c'est pour moi d'avoir à faire. Parce que. On a des modes qui sont pas forcément très multiplayer friendly, hein. Mais après, ça va, il est quand même. C'est quand même assez stable, donc ça se tente. Je l'ai fait exprès en fait sur certaines choses parce que Advent of Ascension, c'est des mobs forcément qui sont beaucoup plus puissants, les boss, etc. sont très 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 violents. Donc au final, même si t'as l'impression d'être pété, on est pété pour le Vanilla, mais le but de ce mod pack il est pas d'affronter des mobs Vanilla, donc c'est absolument pas grave, au contraire. Je pense que le mieux c'est de pouvoir se stuff le plus rapidement possible pour accéder à la suite. Ah, le moment pause, c'est bien. Je pourrais me poser un peu et ranger mes trucs. Cool. Oh, j'ai des capsules plus grosses. Oh, c'est trop bien. On va pouvoir se faire un... En fait, c'est mon nouveau backpack que je suis en train... Je vais pouvoir installer des nouveaux backpacks, là. Bon, pour l'instant... Hop. Oh, j'y vais. Oh, j'ai peur, mais j'y vais. Oh, il y avait une source. Oh, putain, je suis dans le... Oh, putain, oui, c'est dangereux, ici. Ah oui, on est déjà... Oh, putain, fuck. Alors là, je suis au dernier étage, je crois. Ou l'avant-dernier. Ça déconne zéro. Oh, il me faut mon pseudo. J'ai pas... Oui, il y a de l'opsy ici. Et même du quartz. Faire très attention ici. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, je l'entends là, c'est... C'est chaud.
Ah, c'est lui. Oh, putain, il a des flèches de slowness, ce bâtard. Faut que je pète tous les... Faut que je pète tous les spawners. Oh là 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 là. Il me faut ma potion de strength. Et je l'ai pas ici. Attends, ils ont des trucs en... Cache-toi. Oh. Oh. Bon. Je suis peut-être pas encore assez costaud pour faire cet étage. C'est peut-être un peu la merde encore, hein, quand même. Ouais, parce que le cacher, j'ai un peu transpiré là. Je devrais avoir une potion de strength, voilà, qui dure 1 minute 30. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours ça de prix. Moonshine, bon, écoutez, c'est le moment. À la vôtre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, d'accord. Bladness, 46 secondes, résistance 2, 44 secondes. D'accord, j'ai blindness, mais je suis fort, ok. Eh bah écoutez, si j'ai résistance, c'est bien, go. D'accord, super, j'adore ma vie. Que ça ne va pas suffire. Ah si. C'était quand même pas fa... hein, pas voilà. Il a léché un totem. Donne-moi le totem. C'est vraiment troublant tes capacités, j'ai l'impression que tu joues avec un aimbot. Bah c'est un peu ça, hein. C'est un genre d'aimbot. Bon après ça permet pas de faire plus quoi, hein, mais oui ça me permet de centrer sur l'ennemi, etc. Je n'y arrive pas, j'arrive pas à les passer. Hein. J'ai jump boost. Ah j'ai jump boost. Je peux sauter plus haut maintenant. Je me suis mis une nouvelle habilité avec le totem. Non mais c'est un bug de type bug là, ça a plus du tout là, monsieur dame. Monsieur dame, bonsoir. Ah! Mais c'est pas possible ça. Je me fais avoir par mon propre pseudo, j'y crois pas. Ça te prie. Hein. Par contre, il y a des coffres partout, c'est incroyable. C'est fou. What the fuck? Dread Plague, Strength, Night Vision. C'est incroyable. Oh, ça, il m'en faut! Il m'en faut! Ça, c'est le truc d'Academy Craft. C'est du phase liquide. Le phase liquide, ça se met dans... C'est ça, empty unit. Ça se fait à base du constraint metal. Ah, il m'en faut 3. Oh. Ah ouais. Vous savez quoi, je vais mettre un waypoint ici, puis on repassera les chercher. Silicone, non. Par contre, on va remonter. Oh, il y a un bloc qui m'intéresse ici. C'est cool que j'ai l'habilité du jump boost, là. C'est très pratique. J'aime beaucoup ce jump boost. En plus, il est pas stagnant. On a du jade. Le jade, c'est pas... On n'en trouve pas beaucoup, hein. Et voilà. Elle a 8 d'attaque de dommage. Ah, donc je peux me faire une épée en jade, déjà.
Ah, c'est pas... Ils ont nerf, hein. Ils ont nerf de ouf, hein. Oh là là. Elles avaient des bien meilleures attaques à l'époque, hein. Oh, hello. Ah, je vais avoir ma pioche en diams. Ah, cool. C'est parfait, ça. Yeah. I love that. Attends, je regarde si je peux... Ah, j'ai 933. Ah, les entités dans la zone deviennent plus faibles. Attends, parce que si, en plus, avec du jade... Upgrade. Ok, j'ai fait ça. Là, tu peux mettre des skins sur... Voilà, on a une Diamond Pickaxe aussi. Mais la vache. Heureusement que je suis censé leur faire beaucoup de dégâts. Hein. 8 d'attaque, je suis plus fort qu'une... Putain, mais ils sont trop puissants. Ils sont trop résistants, les mecs. Mon épée en jade, elle sert à rien. Oh, ça a drop une pioche en diams. Oh, putain. Nice. Déjà, je voudrais essayer d'éviter de me brûler. Attendez, attendez. Est-ce que j'ai réussi à les stopper ? J'en suis venu à bout. Est-ce qu'on a réussi à se stuffer à gagner? Pas trop. Un peu quand même. Aïe, putain, je... Ouah, putain. Laissez-moi tranquille. Ouais, file ton stuff, ouais. Parfait. Bon, ce qui est bien, c'est que je m'habille avec eux. Hein. Oh putain, mais qui? Oh putain! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on passe? Ah oui, c'est bien ça. Il y en a un qui me tapait avec une flèche enflammée, il était caché derrière un truc. J'ai pris trop cher. Je suis en forme fantomatique. Donc normalement, on me voit pas. Et on remonte comme ça. Oui, non, mais je pourrais péter le spawner et tout, mais c'est pas grave pour l'instant. On va se poser, c'est bien. J'ai déjà... Franchement, j'ai déjà largement beaucoup de choses à faire. J'ai des structures à découvrir aussi. On a des petits openings à faire. Pas mal de trucs à récup encore, donc... Déjà, j'en ressors, j'ai un stuff diams, j'ai des outils en diams, etc. Ce qui est très très bien. Et de toute façon, j'ai noté la position du truc, donc dès que j'aurai fait quelques trucs de liquide à récupérer, j'y retournerai. Strength 2. Allez, hop. Ça se prend. On a bien pex en vrai. Hein. Sacré périple. Hein.
et un périple qui s'achève pour cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé, en tout cas, Flavor Flunch. Ça continue évidemment pour la suite, l'exploration pour les nouveaux portails. Je vous en dis pas plus. Les lives tous les soirs, 21h-22h. Ratez pas les plannings, hein, ils sont postés sur YouTube, dans l'onglet communauté. Vous les avez également sur Twitch, sur Discord, sur Twitter, etc. Les liens sont dans la description. N'hésitez pas pour voir les lives, évidemment, voir à quel moment on diffuse Flavor Flunch ou les autres séries, évidemment. Tout est marqué dessus. Des bisous, ciao à tous, et à la prochaine, les amis.